Alléluia. 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 Jésus, bien-aimé, tu as choisi la bonne part ce matin. Tu as choisi la bonne part. Alléluia. Donne ton cœur à l'Éternel ce matin. Donne ton cœur à l'Éternel ce matin. Et il te soutiendra. Alléluia. Alléluia. Dis à Dieu ce matin de t'affermir. Par sa parole, qu'il puisse t'affermir, oh Dieu. Affermis-nous ce matin. Alléluia. Jésus, la Bible déclare, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Tu es venu devant notre Dieu ce matin. Laisse que tu puisses dire un mot à ce Dieu. Lui dire qu'il est bon pour toi ce matin. Lui dire qu'il est merveilleux pour toi ce matin. Lui qui t'a gardé, il t'a protégé, il t'a fait du bien. Alléluia. Élève la voix et adore ton Dieu ce matin. Adore-le, adore-le. Dis-lui merci pour la grâce, pour la bonté. Lui qui a manifesté son amour. Il a manifesté son amour envers nous. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a fait du bien. Alléluia. L'Éternel est bon. Il est bon. Il est bon. Et il est bon pour nous. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel ce matin. De tout ton cœur, confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Ne t'appuie pas. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel ce matin. Et il n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Bénis l'Éternel ce matin. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel ce matin. Et il n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. C'est lui qui pardonne tout péché, toute iniquité. Alléluia. Dis à ton âme de bénir le nom de Jésus ce matin. Dis à ton âme de bénir le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Lui qui t'a guéri de toute maladie. Alléluia. Jésus, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. C'est lui qui te délivre. Il t'a délivré. Il t'a délivré. Et te voilà ce matin dans sa présence. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Lui qui te couronne de sa bonté. Alléluia. Bénis le nom de notre Dieu ce matin. Il est bon pour toi. Il est bon, il est merveilleux. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Celui qui te rassasie des biens. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Je bénis le nom de Jésus ce matin. Je te bénis, Seigneur. Tu es puissant. Tu es redoutable. Tu es tout pour nous, Jésus. Alléluia, tu es admirable. Adorable le Dieu tout-puissant, c'est toi. Adorable le Dieu d'amour, c'est toi, Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te lève, Seigneur. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Alléluia. Tu es adorable. Tu es admirable. Le Dieu qui ne change pas. Le même Dieu qui était, qui est et qui viendra, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Mon cœur te bénit, Jésus. Mon cœur te loue ce matin. Alléluia. Jésus. Adorable, tu es adorable, adorable, tu es.
faible. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble dans l'ensemble? Alléluia. Il est adorable pour nous ce matin. Adorable. Alléluia. Adorable. Tu es adorable. Plus fort que ça. Alléluia. Il est adorable pour toi. Alléluia. Adorable. Alléluia. Alléluia. Ensemble. Adorable. Adorable. Ce matin, nous t'élèverons. Adonai, nous sommes
Shammah. Il est notre shalom. Shalom. Alléluia, alléluia. Shammah. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes venus pour l'adorer ce matin. Nous sommes venus pour l'élever ce matin. Exalter ton Saint, son Saint nom ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux témoigner ce merveille dans ta vie? Alléluia. Il est bon pour nous, Jésus. Il est bon pour nous, Jésus. Car il est glorieux et digne de régner au milieu de nous. Il est digne de régner au milieu de nous. Il est digne de régner au milieu de nous. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est bon. Il est redoutable. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es bon, Jésus. Tu es merveilleux. Alléluia. Nous allons chanter. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Nous élevons le souverain. L'agneau. Recommande-toi Dieu pour écouter sa parole. Alléluia. Que la parole de Dieu t'affermisse ce matin. Alléluia. Jésus, merci Seigneur. Gloire à toi. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci Jésus. Nous bénissons ton nom éternel pour ta gloire et pour ta présence ce matin. Et nous sommes heureux d'être dans ta présence autour de ta parole. Bénis cette parole, Seigneur, qu'elle produise des fruits de façon exponentielle dans notre Église. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi avons-nous prié, nous disant Amen. Nous ouvrons nos Bibles, merci. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu. Chapitre 16, nous revenons sur le texte que nous avons lu hier dans l'évangile de Matthieu, puisque nous parlons du rôle de l'Église dans une nation, une Église d'impact et d'influence. Quelle est cette Église-là? Matthieu chapitre 16,
Je vais reprendre la lecture et nous partirons de là pour lire d'autres textes qui nous permettront de méditer encore ce matin et tout au long de cette journée. La Bible dit ceci, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Au verset 18e, la Bible dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prouveront point contre elle. » Amen. Et un deuxième texte dans Jean chapitre 17, nous l'avons lu hier également. Jean chapitre 17, nous lirons le verset 8e. Jean 17, le verset 8e, la Bible dit ceci, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. » Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Alors, en lisant ces textes, nous sommes en train, pour revenir un tout petit peu par rapport à ce qu'on a dit hier, comme c'était le premier jour, nous avons dit que Dieu veut que son Église soit une Église d'impact et d'influence dans une nation. Ok? Ça, c'est la volonté de Dieu. Et une Église conquérante, de façon irrésistible. C'est ainsi que Jésus, quand il parlait à ses apôtres, dans Matthieu 28, il dit, allez partout dans le monde entier et faites les hommes de toutes les nations mes disciples. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, allez dans les nations, allez instruire les hommes à travers les nations. Quand il dit, allez faites les hommes de toutes les nations des disciples, allez les instruire. Donc, Dieu a une parole pour l'instruction des nations. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Dieu a une parole pour l'instruction des nations. Il n'y a pas un enseignant plus que Dieu pour instruire les nations. Il n'y a pas une université plus grande ou plus importante que l'université de Dieu où le Saint-Esprit est le recteur par excellence. C'est ainsi que Jésus dit à ses apôtres, allez partout dans le monde et faites des hommes de toutes les nations mes disciples. Donc c'est pour impacter les nations, pour influencer les nations. C'est pour instruire les nations. Et l'Église a la responsabilité d'instruire les nations. Et nous avons la responsabilité d'instruire notre nation. Et quelle est cette Église-là que les Grecs appellent Ecclesia? Nous l'avons dit hier, nous ne reviendrons pas sur les terminologies ou la définition des termes. Mais je dis simplement, l'Ecclesia, ça veut dire les hommes et les femmes qui sont appelés à sortir de l'humanité pécheresse. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, frère. Nous sommes là dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de passage comme les pèlerins en route vers la patrie céleste où nous passerons l'éternité avec notre Dieu. Donc nous sommes ici pour un temps de préparation. Et si donc, l'Église ou l'Ecclésia, selon les Grecs, ce sont des hommes et des femmes qui sont appelés à sortir de l'humanité pécheresse. Voyons un tout petit peu l'état de l'humanité dont on parle ici. Lisons Romains chapitre 1er. On va lire dans Romains chapitre 1er. Nous verrons comment la Bible est en train de décrire l'état de l'humanité dans laquelle l'Église doit sortir de cette humanité pécheresse pour former un monde à part, un peuple à part, un peuple particulier, un peuple d'espérance. Un peuple qui passera l'éternité avec Dieu. Nous sommes ici provisoirement. Romains donc, chapitre 1er. Romains chapitre 1er, on va lire à partir du verset 21. On va voir un peu l'état dans lequel se trouve le monde, l'humanité, où Dieu puis tire son Église. Il dit ceci au verset 21. « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. » Ça c'est l'état du monde. Ils savent que Dieu existe. Mais ils ne sont pas prêts à glorifier Dieu. Ayant connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, le cœur et les pensées sont plongés dans les ténèbres. Il continue en disant, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Je crois que l'état du monde actuel est vraiment un état de fous.
un état du monde de fou, de la folie, de grandeur, parce qu'ils ont refusé la sagesse créatrice de Dieu, la sagesse qui fonde l'existence de l'homme. Nous sommes créés par la sagesse de Dieu, frères et sœurs. Un Dieu qui prend simplement la terre et il souffle la roue, on parle de la roue de Dieu, il souffle son esprit et l'homme devient un être vivant. Voyez, alors donc cette humanité-là, ces hommes refusent de croire à la sagesse de Dieu, une sagesse infinie et incompréhensible. Les hommes refusent cette sagesse. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus fous. Ils ont la folie maintenant. Au verset 23e, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ça, c'est l'idolâtrie, surtout dans le monde proche oriental. L'idolâtrie était une idolâtrie sabéiste à un moment. Ça dit qu'il croyait aux étoiles. Au lieu de croire en Dieu, il commence à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Alléluia. Et c'est là où commence aussi la sorcellerie et les sciences magico-religieuses. Et c'est pourquoi Dieu vient, il prend son Église afin que nous puissions sortir de ce monde-là. Nous sommes là ce matin. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions et femmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de l'homme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns envers les autres. On peut lire, vous verrez que, lisez à la maison l'épître de Paul aux Romains, le premier verset, jusqu'à la fin, vous allez voir l'état du monde. C'est là où Dieu vient, envoie son Fils Jésus-Christ dans ce monde pour former une autre nation céleste que nous sommes. C'est pour cela que nous sommes ici comme Église. On vit tous ensemble sur le même territoire, mais nous avons une autre perspective de l'existence, n'est-ce pas? Nous avons une autre perspective, nous avons une autre philosophie, nous avons une autre espérance. Nous savons là où nous sommes en train de partir. Nous sommes ici provisoirement comme des pèlerins. C'est pourquoi si quelqu'un meurt dans le Seigneur, nous ne pleurons pas parce que nous sommes de passage, car les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants qui seront restés, ils se rencontreront tous dans les airs à la rencontre du Seigneur. Donc ceux qui meurent avant sont partis, nous ont précédés. Nous irons, nous les retrouverons, n'est-ce pas? Avec un autre corps incorruptible à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pourquoi on dit, quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est pourquoi le jour de la mort d'un chrétien, c'est le jour de l'adoration, le jour de la célébration. En réalité, il n'est pas mort, mais il dort. Car l'apôtre Paul dit, les morts en Christ ne sont pas morts, mais ils dorment. Ils dorment. C'est pourquoi nous n'allons pas pleurer les morts comme tout le monde. Nous pleurons avec espérance parce que nous savons que ce frère a reçu la parole, est sorti du monde. Il est dans l'église, il a la foi. Et même s'il meurt un jour, il ressuscitera. Et tous ensemble. Et ceux qui, parce qu'on ne mourra pas tous ensemble, vous savez bien. On ne mourra pas tous. Si le Seigneur revient aujourd'hui, tous on ne mourra pas. Oui, et ceux qui seront restés en vie, leur corps sera transformé. On aura un autre corps incorruptible. Et les morts en Christ qui ressusciteront auront aussi le même corps et nous irons tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Telle est notre espérance. C'est cette église-là que Dieu sort du monde et qui la place ici et qui veut que cette église soit une église d'impact, conquérante et d'influence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? C'est cette église-là, frères et sœurs. Et il continue à dire, comme on l'a dit hier, où la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, l'humanité. Nous avons tous perdu la gloire de Dieu. Vous savez que nous sommes les créatures glorieuses de Dieu parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le jour que les hommes et les femmes connaîtront leur valeur de gloire, tous vont venir vers Dieu. Les gens n'ont pas encore la connaissance, ne savent pas que Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu voulait que l'homme soit dans la gloire, mais l'homme a perdu la gloire à cause du péché. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'Église, ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau,
Ceux qui ont reçu le Rédempteur, ils sont purifiés, ils ont retrouvé la gloire de Dieu. Le but de Dieu est que tu vives dans la gloire. Le but de Dieu est que nous vivions dans la gloire. Car il arrivera un temps, comme nous l'avons lu en semaine, dans l'Apocalypse, il arrivera un temps où le soleil et la lune ne serviront plus à rien. Dieu nous éclairera par sa gloire. Ce matin, je dis à quelqu'un que Dieu t'éclaire par sa gloire. Dans ton bureau en train de travailler, que tu aies une autre intelligence glorieuse. En signant même des documents, des dossiers importants et difficiles, quelquefois envoûtés, mais la gloire de Dieu t'aidera à travailler ce matin. Je dis à quelqu'un, la gloire de Dieu t'accompagnera. Donc il arrivera un temps où nous ne serons plus éclairés par le soleil et la lune. Lisez dans l'Apocalypse, vous verrez cela. Le temps de la restauration, le temps où Dieu va se montrer réellement avec impact. Ceux qui appartiendront à l'Église n'auront plus besoin du soleil et de la lune, ils auront besoin de marcher sur la gloire de Dieu. Même les nations n'iront plus vers les fétiches et l'occultisme. Les nations marcheront sous la gloire de Dieu. C'est notre but, frères et sœurs, en tant que les véhicules du salut. Nous sommes là pour véhiculer le salut. C'est pourquoi on est parole du salut. Parole du salut, on véhicule le salut. On veut véhiculer le salut. C'est ainsi, frères et sœurs, cette église-là, c'est une église des rachetés, des hommes qui avaient perdu la gloire, mais Dieu a restauré la gloire par son fils Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus disait à la sœur de Lazare, vous connaissez l'histoire de Lazare, il disait à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire. Tu n'entendras pas parler de la gloire, mais tu la verras. Je dis à quelqu'un, tu la verras. Si tu as entendu que l'autre était dans la gloire, toi aussi tu seras dans cette gloire. Tu n'entendras pas, mais tu verras la gloire. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu verras la gloire. Tu marcheras dans la gloire. Tu vivras dans la gloire. Ton mariage sera un mariage glorieux. Tes enfants seront glorieux, intelligents et sages dans le monde, beaux, parce qu'ils ont reçu la parole créatrice de Dieu. Et c'est ça, cette église qui sera une église, comment ? Influente. La thèse que nous avons développée hier, c'est que l'église qui doit jouer un rôle dans une nation est une église qui garde la parole de Dieu. J'aimerais peut-être m'arrêter là. On a plusieurs jours, mais je vais insister là-dessus encore ce matin. Hier, c'était le premier jour, c'était l'introduction. Mais chaque membre de l'église, il a dit, je vous ai laissé la parole. Donc l'héritage, le meilleur héritage que Dieu a laissé au monde, c'est sa parole. Aïe, 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 aïe. Parole de salut, on devait crier Amen. Parce que nous sommes la parole du salut. Dans le meilleur héritage que Dieu a laissé au monde, même Jésus-Christ, il nous a laissé, c'est sa parole. C'est quand il fait cette prière sacerdotale, il fait le rapport au Père, il dit, je leur ai laissé ta parole. Il ne nous a pas laissé des maisons ou des voitures, tout est dedans là-bas, mais il fait ressortir la parole, il dit, je leur ai laissé ta parole. Dans le meilleur héritage que Dieu a laissé, Jésus a laissé à l'Église jusqu'à son retour. Puisque la Bible dit, il revient bientôt. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais il nous a laissé l'héritage de la parole. Il ne nous a pas laissé des blabla ou des choses à blaguer, il nous a laissé sa parole. C'est pourquoi nous sommes sérieux avec la parole de Dieu. Et ceux qui doivent enseigner la parole, on prend du temps pour les préparer et les former. Parce que la parole est importante. C'est le seul héritage qui nous a été laissé. C'est le seul héritage. On ne nous a pas laissé autre chose. Mais cependant, tout ce que l'homme en a besoin, il le trouve dans cette parole. Oh, cette parole, c'est qui ? C'est Jésus-Christ. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, mais qui est devenue la principale de l'angle. Le chemin, la vérité et la vie. Et l'apôtre Paul, le grand christologue de tous les temps, l'homme qui a compris Christ, qui a aimé Christ, il dit, je regarde tout maintenant comme une perte. À cause, il y a quelqu'un ce matin, de l'excellence de quoi ? De la connaissance de Jésus-Christ. Donc comme il a connu la connaissance, il peut regarder tout maintenant comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Un Dieu qui se fait chair, qui vient assumer l'histoire des hommes dans sa chair et qui s'ouvre dans ce corps. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos souffrances. Parce que lui-même s'est incarné pour assumer notre histoire. Ne porte pas ton histoire toi-même.
il y a quelqu'un qui s'est incarné pour assumer ton histoire. Je suis convaincu que dans nos nations, frères et sœurs, même dans les pays africains où nous sommes en train de prêcher l'évangile, nous disons que le Seigneur s'est incarné pour assumer l'histoire des hommes. Nous-mêmes, on ne pourra pas, on est faible, le corps est fragile. Mais il y a quelqu'un qui a pris ce corps, il s'est incarné pour assumer notre histoire. C'est pourquoi prenons notre histoire, remettons ça entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, il nous a laissé l'héritage de la parole de Dieu. Et chaque membre de l'Église devient un dépôt de la parole. C'est voilà pourquoi tu es là, parce que Dieu veut faire de toi le dépôt de la parole. Dépositaire, dépôt de la parole. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, garde le dépôt qui est en toi. Pas un bidon de 10 litres, mais un dépôt. Et quand tu parles, c'est la puissance, c'est la force. Les démons tremblent parce que le dépôt, quelqu'un qui a le dépôt est en train de débiter les paroles de la vie. Je dis que tu es le dépôt de la parole de Dieu. Donc chaque membre doit devenir le dépôt. Et Paul dit à Timothée, garde le dépôt qui est en toi. Le dépôt des mystères de Dieu. Le dépôt des révélations de Dieu. Il a commencé à préparer Pierre à un moment donné, quand Pierre dit, on pose la question aux gens. Quand ils font le rapport de la mission, ils se sont retirés un peu en Césarée, ils sont allés faire l'évaluation après Nazareth, ils doivent descendre à Jérusalem. Là où il va aller accomplir la parole, ils se sont retirés un peu à Césarée. C'est là où il pose la question à ses apôtres, qu'est-ce que les gens disent de moi? À un moment donné, il fait l'évaluation de lui-même. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Lui, les apôtres ont dit, bon, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Il dit, c'est vrai, mais vous qui êtes avec moi, que dites-vous que je suis? C'est là où Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Il a dit, ce n'est pas le sang ou la chair qui t'ont dit cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'en a révélé. Pierre avait maintenant le dépôt de la révélation. Et sur cette pierre, il fera quoi? Il bâtira. Autrement dit, par les hommes et les femmes qui ont le dépôt de la révélation de Dieu, c'est sur ces hommes que Dieu bâtira son Église. Ah là 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 là, votre main ne m'encourage pas ce matin. C'est sur ces hommes-là que Dieu bâtira son Église. Ce matin, que tu deviennes un dépôt de la révélation de Dieu, un dépôt des mystères de Dieu, et c'est sur toi que Dieu bâtira son Église. C'est sur toi que Dieu fera la mission vers les autres nations pour aller instruire les peuples. Tu es pierre, et sur cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon Église. Donc tu viens ici dimanche après dimanche, matinée après une matinée, Dieu veut faire de toi le dépôt de sa parole pour que tu deviennes le dépôt des mystères cachés de Dieu. Les choses insondables, incompréhensibles par la vie humaine. Même si tu as fait les grandes universités, mais si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre la parole révélée de Dieu. Je vous dis la vérité, frère. Prêchez tous les jours. Nous produisons tous les jours des sermons, n'est-ce pas? Mais il y a des musiciens qui produisent par saison. Mais nous, chaque semaine, on a une production. Chaque jour. Oh, personne. En tout cas, vous ne me corrigez pas ce matin. Hein. Chaque jour, à tout moment, et des sujets variés, vous produisez. Quelle richesse! Quel dépôt! Vous avez toujours quelque chose à dire. Ah oui, toujours. J'ai dit à quelqu'un, toujours. Tu as toujours quelque chose à dire. Tu as toujours, regarde le taux de nombre de personnes que l'on reçoit. Quand je vois le pasteur, à un moment donné, il finit de recevoir, directement il vient à l'église. Combien de personnes il a rencontré? Combien? Mais c'est un dépôt inépuisable. C'est pourquoi tu es là, pour que Dieu fasse de toi un véritable dépôt. Dépôt des mystères cachés de Dieu. Dépôt de la révélation de Dieu. Dépôt de la puissance de Dieu. Dépôt de l'autorité de Dieu dans cette nation. C'est pourquoi, frères et sœurs, le seul héritage que Jésus nous a laissé en tant qu'Église, c'est là où Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Mais dis-tu-le comment? Nuit et jour, c'est alors que tu réussiras. On ne réussira pas dans les sciences occultes. J'ai vu des gens commander les médailles de réussite en Europe. Un autre jour, là-bas, dans le pays où on était, quelqu'un avait sa médaille, un grand cadre, je crois qu'il avait fait une thèse. Il n'aime pas entendre parler de Dieu. Il vient à l'église. C'était le jour du mariage de sa fille. Mais elle est venue devant quand on a commencé à prier. La médaille a commencé à brûler dans sa veste.
À cause de la, il y a une puissance de la parole dans l'église, frère. C'est pourquoi il y a une puissance de la parole. C'est pourquoi ces gens qui sont dans le science occulte, ils n'aiment pas venir à l'église parce qu'ils ne savent pas comment les choses vont tourner. Ils ne savent pas parce que c'est incertain. Tu viens comme ça, le Saint-Esprit veut te faire du mal. Ou bien veut t'attirer, veut te montrer qu'il est puissant, il te dévoile. Et la fumée commence à sortir dans la veste. Oh, tenez la fumée. Il y avait une médaille. Il y a des gens qui portent des choses extraordinaires sur eux. C'est pourquoi soyons les dépôts de la parole de Dieu. La parole qui a été au commencement. La parole qui a créé toutes choses. Nous avons des gens, vous entrez dans le bus, tu touches quelqu'un comme ça, il est rempli de fétiches. Surtout dans le pays où nous sommes là. Des gris-gris partout. Seigneur, comment on peut vivre ici? Mais j'ai compris ce qui m'a encouragé. J'ai compris ce que tenons nous sommes debout sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus ne nous a pas laissé autre chose. Il a dit, je leur ai laissé ta parole. Donc l'église d'impact, c'est une église où chaque membre devient quoi? Le dépôt de la parole de Dieu. Quand nous devenons le dépôt de la parole de Dieu, c'est alors que nous allons impacter cette nation. À tous les niveaux, dans les administrations, dans les commerces, partout, à l'université, nous impacterons et on saura que nous sommes parole du salut. On le saura. On le saura, frère, on le saura. Le salut, c'est le salut. Et le salut sera visible. J'ai dit le salut sera visible, encouragement, nous sommes très nombreux. Nous sommes là pour faire du bruit, nous ne sommes pas au cimetière. Pourquoi tu as peur de parler? On nous a fait un bocal pour crier, non? Pourquoi tu as peur de parler? Le salut, parole du salut, véhiculant le salut, marchant avec le salut. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Et même Jésus, quand il répond au diable, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Jésus a tout réglé là-bas dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Et ça m'a beaucoup inspiré ce matin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche. Lisons un peu dans Philippiens, dans Philémon. Philémon après 2 Timothée. Philémon, l'apôtre Paul, parlant à Philémon, dit une chose extraordinaire que j'aimerais que nous puissions examiner. Philémon 4 et 5. Philémon. Deuxième, après Tite, je crois qu'on arrive à Philémon, c'est ça? Voilà, on va regarder ça. Tourne un peu. Philémon, on a vu? Voilà, Philémon 4. Il dit ceci, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. De façon individuelle, chacun sera félicité de façon individuelle. Voyez ça? Je rends grâce à mon Dieu, faisant mention de toi. On a dit faisant mention de vous. Il dit faisant mention de qui? De toi. De façon individuelle, personnelle. Qu'est-ce qu'il dit dans mes prières? Verset 5. Parce que je suis informé de quoi? De la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ. Deux choses. La deuxième chose, c'est quoi? Et de la charité pour tous les saints. Vous voyez? Bon, la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Quand nous recevons la parole, le fruit, c'est la foi. On verra la foi et on sera content de nous à cause de la foi. C'est pourquoi il dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Pourquoi? Parce que il donne la raison. Parce que je suis informé de la foi qui est que tu as au Seigneur. Les gens seront informés de notre foi. Même cette œuvre n'est que le résultat de la foi des hommes de cette église. Cette œuvre gigantesque. Nous venions ici à l'époque, il y a des années, c'était une montagne qui descendait comme ça. Les bureaux étaient de l'autre côté là-bas. Et donc la montagne, je me disais, comment on a pu relever cette montagne? On peut s'asseoir tel que nous sommes comme dans un paradis. Donc les hommes sont intelligents. Personne ne dit amen. Hein? Les hommes sont intelligents. Maintenant, Dieu nous appelle ici pour que nous puissions avoir la foi. Or, la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il est content de Philémon. Philémon, je rends grâce à Dieu pour toi parce que je suis informé de ta foi. Mais si Philémon a eu la foi, c'est parce qu'il était devenu à un moment donné le dépôt de quoi? Le dépôt de la parole de Dieu. Non seulement la foi, il dit même la charité.
la charité, donc l'amour. L'amour, ça vient de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu n'auras jamais l'amour. Plus on enseigne l'amour dans sa parole, plus on a l'amour né. C'est pourquoi si on est trop habitué aux démons, nos caractères seront des caractères de violence, comme des X-Or, les chrétiens X-Or, avec des transmutations. Parce qu'on lui a enseigné seulement le message des X-Or. Mais si on vous enseigne le message de la charité sera abondante dans nos cœurs, par la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul est content de Philémon. Je rends grâce à Dieu de façon continuelle, parce que je suis informé de ta foi et de ta charité. Que l'on soit informé de notre foi, frère. Qu'on ne soit pas informé de nos mauvaises habitudes, de nos mauvais caractères. Très souvent, on cherche les mauvais caractères, non? On est informé, ah, le frère là est mauvais, le frère. Mais qu'on soit informé sur des bonnes choses, non? Qu'on soit informé sur notre foi et même notre charité envers les uns, envers les autres. C'est pourquoi Jésus, quand il arrive, il résume tout l'Ancien Testament. Quand vous lisez le Décalogue, ce sont les 10 commandements. Il y a 2 grandes parties. La première partie, c'est l'homme qui est sur la terre, mais qui est en relation verticale avec Dieu. Et la deuxième partie de tous ces commandements, vous verrez une relation comment? Horizontale. Mais Jésus vient, il résume le Décalogue, les 10 commandements en 2. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il résume tout l'Ancien Testament et il commence une nouvelle saison que nous allons voir tout à l'heure. Et dans la deuxième thèse, vous allez vous rendre compte que Dieu a choisi Israël. Et pour que Israël puisse toucher les nations, il a fallu qu'Israël soit le dépositaire de sa parole. Nous l'avons vu vendredi là-bas, n'est-ce pas? Les 3 raisons du choix d'Israël. Dieu a choisi Israël pour 3 raisons fondamentales, je le répète, parce que la répétition n'est pas mauvaise. La première raison est que Israël soit le dépositaire de sa parole. Pour que Israël puisse toucher les autres nations. Les autres nations ne connaissent pas Dieu. Le Dieu n'est que le Dieu d'Israël. Nous sommes heureux parce que Israël est maintenant dans l'aveuglement. Ce sont les nations qui ont la révélation de Jésus-Christ. Nous avons la révélation de Christ plus qu'Israël. Je suis étonné de voir les gens se bousculer pour aller voir Israël. C'est pourquoi Jésus a dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Peu importe l'endroit où tu seras, tu trouveras la vérité. Tu seras heureux. Beaucoup d'argent nous perdons pour vérifier, pour aller visiter les Syriens. Maintenant là, Israël est tombé dans l'aveuglement. Ils attendent le Messie. Oh, nous avons déjà reçu le Messie. On a cru, on a fondé les églises. Moi, on attend qu'il revienne nous prendre. Et ils attendent le même Messie. Quel aveuglement! Donc, les nations, lisez Éphésiens, vous allez voir. Ce sont les épîtres aux nations. Et l'apôtre Paul est l'apôtre des nations. Regardez comment il développe ses épîtres aux nations. Philippiens, lisez Philippiens. Lisez Éphésiens, vous allez voir la perspicacité avec laquelle il est en train d'expliquer, de comprendre Jésus-Christ. Je vous ai dit qu'il est le christologue de tous les temps, christologue, donc spécialiste de Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Quelqu'un peut continuer? Ce n'est plus moi qui vis. Allez-y, soyez des christologues, frères et sœurs. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Je regarde tout maintenant comme quoi? Comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Christ en moi, c'est l'espérance de quoi? De la gloire. C'est le christologue de tout le temps. Lisez Paul. Lisez l'apôtre des nations. Vous verrez la révélation de Christ sur les nations. C'est pourquoi Israël va impacter les nations. Mais Dieu... Pour qu'Israël impacte des nations, il faut qu'Israël devienne le dépositaire de la parole. Si nous voulons changer cette nation, soyons les dépôts de la parole de Dieu. Aucune situation de ce pays ne peut dépasser la parole de Dieu. Quelle est cette histoire-là? Quelle est cette histoire où Dieu nous a donné un pays extraordinaire? Où il y a des richesses, le monde entier est en train de convoiter. Et l'Église est dans cette nation, quel rôle allons-nous jouer? En réalité, même les minéraux, les richesses sont donnés pour la mission. Ce pays, c'est un pays prophétique. Les gens partiront de partout, viendront prendre des ressources ici pour aller en mission. Pas seulement les ressources matérielles, même la prédication. Ah oui, même la prédication. Même les enseignements. Même l'adoration. Même tout, même la joie.
Même dans la souffrance, les gens sont dans la joie. Même quand on n'a pas de vêtements, on est dans la joie. On reçoit encore les autres. On peut encore vivre avec les autres. Donc si tu remarques bien, c'est une nation prophétique. Et Dieu a rempli cette nation des richesses extraordinaires et les matières premières qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'ici. Pourquoi? C'est qu'il y a une mission. Pour annoncer la parole de Dieu, il faut ces richesses-là. Et il a doté ce pays de ces richesses. Maintenant, là, on est en train de travailler au Sénégal. Comment le barrage de Inga peut alimenter toute l'Afrique? Les Sénégalais ont déjà amorcé le débat. Et puis, ensuite, ils sont en train de dire qu'en principe, quand la RDC a un problème, c'est toute l'Afrique qui doit intervenir parce que le problème de la RDC concerne toute l'Afrique. Votre main, vous voyez comment votre main. Il y a même des gens qui le disent même. Soyons des conquérants. Soyons les gens qui ont le dépôt de la parole. Aucune situation ne peut dépasser la parole de Dieu dans cette nation. Dieu est en train d'attendre. Quel message allons-nous enseigner au peuple de Dieu? Et le message que Dieu nous donne, que nous soyons des dépositaires de la parole de Dieu. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et tout ce qui existe de visible et d'invisible a été créé par cette parole. Cette parole, elle est transformatrice, elle est créatrice, elle guérit. C'est pourquoi vous vous êtes appelé parole du salut. Non seulement parole, vous ajoutez encore salut. Oh, la parole a le salut. Donc, il y a une dimension profonde. Donc, il y a le salut dans la parole, vous avez ajouté encore le salut. Donc, dose plus plus. Deuxième dose de corona, de virus. Mais il y a un système de deuxième dose, non? Nous, on a pris la première dose parole, la deuxième dose, on met salut. Là, on est complet, on est vacciné. On peut aller au combat, on peut traverser les frontières. On peut aller d'une nation à une autre maintenant. Oh, que Dieu bénisse notre église. Et bénisse aussi notre directeur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. En tout cas, je vous encourage, nous allons former une armée puissante. Une armée puissante des hommes et des femmes qui sont des dépositaires de quoi? Des dépositaires de la parole de Dieu. Je voudrais donc aller vers la fin. Ce n'est pas un seau d'eau qui brise la pierre, hein, mais c'est une goutte d'eau qui tombe tous les jours sur cette pierre qui finira par la briser. Laisse que mes enseignements, les matinées soient des gouttes d'eau, mais qui briseront les pierres dans nos cœurs un jour. Ça ne sert à rien de verser un seau d'eau sur une pierre, mais la goutte d'eau finira par briser la pierre. Que ces enseignements soient vraiment une goutte d'eau. Je voudrais dire à Papa Justin, hier tu nous as bien conduits dans la prière. Nous pouvons prendre beaucoup de temps de prière. J'aurais pu arrêter un peu plus tard, mais je pense qu'on peut prier. Tu peux dire Amen. Mais je voudrais dire seulement une chose. On lit dans Éphésiens chapitre 2, verset 11. Éphésiens 2, 11 à 12, rapidement. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 12. Quelqu'un a vu? Pour voir seulement quelle était la richesse d'Israël. Pourquoi Israël était considéré comme les dépositaires de la parole de Dieu? Dépôt de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, il dit ceci, verset 1. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous allez voir que les nations, en fait, les nations ne vivaient pas. Les nations ne vivent pas. Regarde bien le texte. On parle aux nations. On les appelle les incirconcis. On les appelle comment? C'est la bataille entre Goliath et qui? Goliath et David. C'était la bataille entre incirconcis et un incirconcis. Bon, qui a gagné dans cette bataille? C'était le circoncis, non? Parce que le circoncis était du côté de Dieu. Il y a les promesses de Dieu. Autrement dit, qu'il y a la parole de Dieu. Nous renverserons les Goliaths devant nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul parlait aux nations. Il dit, vous les nations. En tout cas, il fait prendre conscience aux nations. Vous n'étiez rien. C'est pourquoi quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il n'est rien. Écoutez ce qu'on dit, non? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu peux faire la thèse de troisième cycle à la Sorbonne. Tu n'es à rien. Oui, mais nous aimons ce qui étudie, mais au service du royaume. C'est ça un peu la,
ce que nous voulons. Mais on dit, il dit ici, souvenez-vous autrefois, vous étiez des incirconcis. Vous étiez sans Christ, sans Dieu. Regardez, la nation, ils sont sans Christ, on y va. Sans Christ, sans Dieu, sans droit de cité, sans promesse, sans alliance, sans espérance. Est-ce que les gens comme ça vivent? Pas dans la bonne moyenne, pas koufa. Yesute, elikiate, elakate, alliance. Osa motute, yamana gobala n'importe qui. Yobala motubuza, yesute, elikiate, elakate, ninite. Tu peux chanter ce. Mais si tu lis là, tu peux chanter ce chant-là. On va s'arrêter là, on va prier. Je laisse la place à papa. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Le rôle de l'Église dans la nation. Nous avons tous retenu, bien-aimés, être les dépositaires de la parole. Alléluia. Lève ta voix, bénis le Seigneur. Lève ta voix, bénis le Seigneur. Lève ta voix, bénis le Seigneur. C'est une chose que tu n'as pas retenue, bien-aimé. Au moins, retiens cette phrase-là. Être des dépositaires de la parole de Dieu. Amen, amen. Être dépositaire. Demande à Dieu la grâce d'être un dépositaire de la parole de Dieu. Car sans la parole, bien-aimé, tu ne vas jamais refléter Christ dans ta vie. Et c'est pour cela qu'il faut se remplir toujours de la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Ruminer la parole de Dieu. Ingurgiter la parole de Dieu, se transfuser de la parole de Dieu, s'imprégner de la parole de Dieu, se baigner de la parole de Dieu, se laisser impacter par la parole de Dieu, être le dépositaire de la parole de Dieu ne peut influencer que celui qui est dépositaire de la parole de Dieu. Comme cet homme qui a fait, bien-aimé, selon ce que j'ai appris, le smartphone au capi, il impacte, il influence là où il est. À cause de la parole de Dieu, c'est un chrétien. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh, Christ ne peut pas, bien-aimé, agir en nous si la parole n'y est pas. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Soyons dépositaires de la parole de Dieu. Lève ta voix. Et si tu ne méditais pas la parole de Dieu, apprends à méditer encore davantage. La lire, bien-aimé. En audio, on peut aujourd'hui, bien-aimé, suivre la parole de Dieu. Il y a même des films et vidéos de la parole de Dieu. Et hier, j'ai acheté un livre, bien-aimé, la Bible en bande dessinée. Je me suis dit, même si je suis adulte, je veux faire comme les enfants de l'Écodime, lire la parole de Dieu en bande dessinée. Comme ça, je m'imprègne de la parole de Dieu par tous les moyens possibles. Je pète dans ma douche la parole de Dieu. Ainsi, dans ton travail, tout ce que tu feras, bien-aimé, eh bien, ça reflétera que tu es rempli de la parole de Dieu. Lève ta voix, bien-aimé. Demande à Dieu la grâce. Demande à Dieu la faveur. Demande à Dieu ce privilège d'être rempli de la parole de Dieu. Sois un dépôt de la parole de Dieu. Shonda Karababaya Karaba. Un dépositaire de la parole de Dieu. Cette parole nous transforme. Et quand les nations verront que nous sommes transformés, cherchons à connaître notre secret. Nous leur dirons, c'est Jésus. Quand on est dépositaire de la parole de Dieu, bien-aimé, notre vie impacte, notre vie influence. Nous sommes changés pour changer les autres. Nous sommes transformés pour transformer les autres. Nous sommes affranchis pour affranchir les autres. C'est pour cela que nous devons, bien-aimé, être dépositaires de cette parole.
Demande à Dieu la grâce de te remplir de la parole de Dieu. C'est ça qui va te remplir de joie, de paix et de bonheur. Lorsqu'on est rempli de la parole de Dieu, on a de l'espérance. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour le privilège d'être à toi, pour le privilège de connaître ta parole, pour le privilège d'être transformé par ta parole. Laisse que tu agisses dans la vie de chacun d'entre nous, oh Dieu. Qu'il n'y ait point de religieux qui vient ici matinalement, juste dans un but de superstition, pensant, Seigneur, que être là le matin, c'est recevoir un coup de baguette magique pour que la journée soit bénie. Ce n'est pas ça, Seigneur. On est là pour être rempli de ta parole, afin d'impacter, afin d'influencer. Choronda karababaika, yeta karabasato. C'est ça que tu nous as laissé, la parole de Dieu. Oh Jésus, aide-nous à être ce dépôt, un dépôt qui est toujours plein, et non pas un dépôt qui devient vide à un certain moment, un dépôt toujours bien entretenu, et non pas un dépôt poussiéreux rempli de péché, un dépôt où il fait beau, Seigneur, de passer par là. Et non pas un dépôt lorsqu'on y passe, on commence à éternuer à cause des poussières, à cause de l'humidité. Seigneur, Seigneur, aide-nous à entretenir, Seigneur mon Dieu, cette parole en nous, que nous serons des dépositaires, des dépositaires, des dépositaires. Nous répétons ensemble ceci. Nous mettons la main sur notre cœur et nous disons, Seigneur Jésus, ta parole me dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vient le bien et le mal. Seigneur, aide-moi que mon cœur soit un dépositaire de la parole de vérité, la parole qui affranchit, la parole qui transforme, la parole qui donne la vie. Seigneur, c'est dans cette mesure-là que je veux influencer, que je veux impacter par ma vie, par mes paroles, par mes actes, même par mon accoutrement. Tout en moi, Seigneur, va te refléter. Merci, Esprit Saint de Dieu, de m'aider à garder ce dépôt toujours propre dans la sainteté. Pour la gloire de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Acceptez maintenant, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes que nous apportons ce matin encore avec beaucoup de joie. Merci, ô Dieu, lorsque nous sommes dépositaires de ta parole et parce que la parole nous donne tout, Père très saint, tu nous donnes également de quoi venir apporter dans ta maison, car ta parole génère tout ce qu'il nous faut, Seigneur, pour pouvoir te glorifier dans nos vies. Bénis ces dîmes, bénis ces offrandes, au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur, les paniers circulent, alléluia, que Dieu soit béni. Merci beaucoup, pasteur Mesmer Apollinaire. Quand je suis arrivé au Sénégal, il était à l'aéroport avec le président qui nous a prêché. Il y a deux dimanches en arrière, ce sont les deux qui m'ont pris à l'aéroport, qui m'ont amené jusqu'à l'hôtel où je devais être logé. On était avec eux tout le temps, aller visiter Mbour, la ville où est notre missionnaire actuellement. Et il est là pour pouvoir aider également notre missionnaire, comme il est arrivé au Sénégal avant, à pouvoir comprendre la culture, pouvoir s'adapter. Vous savez, pour être adopté, il faut très bien s'adapter. Amen. S'adapter, comprendre comment apporter la parole à ces gens-là. Parce que tu ne peux pas leur apporter la parole comme ici chez nous. Tellement leur background et de cette religion que vous connaissez. Un petit truc, par exemple, n'essaie jamais de parler de ceux qui sont de cette religion qui est majoritaire là-bas. N'essaie jamais de leur présenter une Bible dans laquelle vous avez souligné. Pour eux, la Bible est un livre sacré, il ne faut jamais souligner dedans. N'essaie jamais de la poser par terre.
S'il voit que tu as mis la Bible par terre, il ne va pas te prendre au sérieux. Comment tu peux mettre un livre sacré par terre? N'ose jamais commencer tout de suite par dire, voilà, Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas sage. Il doit dire, Jésus est le plus grand de tous les prophètes. Ils le savent, ils le croient. Et comme on leur a appris dans leur religion qu'il faut apprendre à écouter les paroles des prophètes, maintenant leur dire, voilà ce que le prophète Jésus a dit. Créer toute une amitié qui peut prendre presque 6 mois à une année, et finalement, on les gagne au Seigneur. Amen. Mettons-nous debout pour prier, clôturer ce moment. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas d'annonce qu'on m'a donnée. Nous y allons. Père, nous voulons te bénir. Merci pour ce message, ô Dieu, que ton serviteur nous a apporté et dont nous retenons ce qui est essentiel, très important. Ô Dieu, être des dépositaires de la parole de Dieu. Aide chacun d'entre nous à être un vrai dépositaire de la parole de Dieu. Car c'est par là que nous allons impacter, influencer et jouer notre rôle comme il faut dans la nation. Quels que soient nos titres et qualités, quelles que soient nos sommités, Seigneur, dans un domaine quelconque, quel que soit, oh Dieu, tout ce que l'on peut avoir, être dépositaire de la parole de Dieu. Je bénis, Seigneur, ton peuple qui a suivi ce message, en présentiel ou de loin, et je proclame, Seigneur, que ton esprit est à l'œuvre, afin que chacun soit et demeure un véritable dépôt de la parole de Dieu pour ta seule gloire. Et laisse que le fruit se fasse voir, la foi, la charité et plein d'autres choses. Une influence incontestable au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez dépositaires de la parole de Dieu, impactés, influencés partout au nom de Jésus. Amen. Et dis à ton voisin, sois un vrai dépositaire de la parole de Dieu. Dis-le à ton voisin, que Dieu vous bénisse.